Hello tout le monde, c'est Laurine. Hello, hello tout le monde, c'est Laurine. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et une nouvelle réaction à un MV, puisque aujourd'hui, vous vous en doutez, je vais réagir au MV de Woosung, à savoir Dimples. Vous le savez, j'adore Woosung, c'est sans doute mon artiste préféré, que ce soit en solo ou quand il est avec son groupe The Rose. J'adore cet artiste, je l'admire énormément. Il fait partie de ces personnes que j'admire en tant qu'artiste. Donc forcément, quand j'ai vu qu'il allait sortir un nouveau single, moi j'étais totalement hype et j'ai juste une hâte, c'est de le découvrir. Je sais pas vous, mais moi j'espère tellement qu'un jour il ressorte un petit album solo comme il avait fait pour Wolf. Moi franchement j'attends ça parce que j'ai trop envie de l'acheter. Pour être honnête, je serai la première à l'acheter je pense, parce que j'ai trop envie de nouveau d'avoir un album de Woosung. Mais bon, ça c'est une autre histoire, passons tout de suite à la réaction. Et c'est parti, en avant. Oh. Le sac avec le petit wolf dessus, là. Notre beau Woosung. Je suis hype, moi, les gars. J'adore sa tenue, déjà. Oh. Ok. Ok. Wow. J'adore. Il est trop canon. Il est vraiment trop canon. Et puis la musique, elle est super cool. Et le moment de l'accident me rappelle beaucoup le MV de Taemin. Sur le coup. Et c'est très surprenant à chaque fois, mais... Je suis surprise qu'il y ait les sous-titres français, mais je suis très contente. Wow. J'adore quand il a les cheveux blonds blancs comme ça, ça lui va trop bien. Wow, cette tenue est trop belle. La musique est trop cool. Wow. J'adore. Trop beau. La musique est vraiment trop bien. Et cet outfit est vraiment trop classe. Waouh. J'adore. Vous avez vu les trucs qu'il a à ses ongles, les petits bijoux là, c'est trop beau, j'adore ça. De toute façon, le style vestimentaire de Woosung est juste toujours incroyable. Voilà, regardez, c'est trop beau. Donc on parle d'une histoire d'amour, hein, apparemment. Waouh, mais regardez, c'est trop beau. Tout le monde le regarde. Oh. La fameuse. J'adore. J'adore. Elle en a plein, elle aussi, sur les doigts, j'aime trop. La voix de Woosung est toujours trop belle, quand même. Je dois le dire, hein, parce que j'adore cet artiste, j'adore sa voix, j'adore tout son univers, mais la voix... Waouh, j'adore, c'est trop beau. Bizarre. Oh.
Il est trop fort. Je sais pas moi, mais je me ressens toujours heureuse quand je vois du Wosom quand même. Wow. J'aime trop. Ok. Désolée. Waouh. Ok, celle qui conduisait. Ok. Ok. Tout d'abord, avant de déblatérer sur Wosom, je suis désolée que mon Avast s'est ouvert en plein milieu du clip. Je ne sais pas pourquoi. Il voulait venir, il voulait qu'on s'intéresse à lui. Voilà, je suis désolée. Je n'ai pas pu contrôler ça. Pour revenir à Wosom, j'adore énormément la musique. Déjà, elle est trop chouette, sa voix est trop belle, l'univers est absolument fantastique. C'est une chanson d'amour un petit peu rafraîchissante et très très banale, j'ai envie de dire, au niveau des paroles. Hein. Je veux dire, une histoire d'amour, voilà, c'est toujours à peu près la même chose, les sentiments et tout ça, tout ça. Mais l'univers, le MV, est juste incroyable. Je le trouve très très beau, très chic. Et on a toujours la patte de Wosom qui ressort le plus de lui. C'est vraiment son style vestimentaire. Lui, il met des petits bijoux, il met du vernis. J'adore aussi son style vestimentaire qui est toujours très très coloré, assez... Bah, c'est lui finalement, et je trouve que bah, c'est ce qu'on ressent comme d'habitude dans le MV, et ce MV là ne fait pas exception. Je suis vraiment très très séduite de l'ensemble, que ce soit le MV du coup, l'image, et que ce soit aussi la musique qui est vraiment très très jolie, avec une très très belle voix. Alors franchement, je conclurai en disant juste un grand 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 bravo à Wosom, parce que c'est vraiment incroyable comme à chaque fois, et je me sens comme à chaque fois trop heureuse de le retrouver. Et on espère un petit album, s'il vous plaît. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et j'espère que vous avez beaucoup aimé ce MV. Je ne sais jamais s'il y a beaucoup de fans de Wosom ou pas sur ma chaîne. En tout cas, moi j'adore partager et faire des réactions sur cet artiste parce que c'est un artiste que j'affectionne beaucoup. Donc n'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez pensé en commentaire, que ce soit de la musique, du MV et de votre impression sur Wosom. Est-ce que vous êtes une fan ou non, que ce soit depuis The Rose ou non, si vous êtes une Black Rose ou non, voilà. Dites-moi un petit peu tout ça en commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir de vous lire et ça m'intéresse beaucoup beaucoup. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir et ça aide bien entendu la chaîne à se faire connaître. Et vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, activer la clochette, c'est important, surtout pour les comebacks comme ça qui sortent un petit peu à l'improviste sur la semaine et qui sortent à l'improviste sur la chaîne du coup. Vous pouvez aussi me rejoindre sur mes réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, TikTok, mais surtout Instagram. Instagram, c'est le réseau social que j'utilise le plus pour communiquer avec vous, que ce soit en story ou en post. Je fais des sondages et des giveaways de temps en temps, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Comme d'habitude, vous trouverez dans ma barre de description mes différents codes de promotion, que ce soit sur YaStyle ou sur boutiquekpop.fr, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller checker cette barre de description. Et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous allez me regarder. Ciao tout le monde! À bientôt!